Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'heure de la vérité vraie. Faut-il nager en deux temps ou faut-il respirer en crawl tous les 3 coups de bras, 4 coups de bras, 5 coups de bras? La vérité vraie, c'est que cela dépend de beaucoup de paramètres. Et que la meilleure décision à prendre pour toi dépend de ces différents paramètres. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de te présenter de manière exhaustive tous les paramètres à prendre en compte pour te permettre de prendre la meilleure décision. T'es prêt? C'est parti! Respirer en 3 temps permet de nager plus vite qu'en 2 temps parce qu'on respire moins souvent. Et oui, car après tout, respirer entraîne des déséquilibres, entraîne des résistances, donc moins on respire et plus on nage vite. Vu comme ça, ça paraît logique. Mais a-t-on vraiment pris en compte l'ensemble des paramètres qui entrent en jeu? Car certes, en respirant plus souvent, il y a plus de résistance, mais il y a également davantage d'oxygénation et en respirant en deux temps toujours du même côté, on favorise le côté sur lequel nous sommes le plus à l'aise et le plus efficace. Car oui, on a tous ou presque un côté favori. On a tous un côté sur lequel notre bras est le plus puissant. Et en règle générale, c'est le bras qui reste devant au moment de la respiration. Pas convaincu, on va prendre un exemple très concret avec celui de Yannick Agnel lorsqu'il remporte la finale du 4x100 mètres en réalisant le dernier relais face à Ryan Lochte qui respire en 3 temps et qu'il va battre alors que lui, Yannick Agnel, il nage en 2 temps. Pourquoi est-ce que Agnel gagne? Alors peut-être parce qu'il a plus d'énergie grâce à une meilleure oxygénation, peut-être parce que son adversaire perd plus de temps lorsqu'il doit respirer sur son côté faible. Honnêtement, je ne sais pas, je laisse ce débat aux théoriciens de la natation. Moi, ce que je vais te présenter, ce sont les avantages et les inconvénients qui sont liés à la nage en deux temps ou en trois temps. Et je vais essayer de te fournir ce qui va te permettre de faire le meilleur choix pour toi. La respiration en deux temps te permet de ventiler plus souvent et donc d'apporter davantage d'oxygène à tes muscles qui en ont besoin pour créer de l'énergie et donc te permettre d'avancer plus vite. Ainsi, respirer en deux temps te permet donc de maintenir une intensité d'exercice plus élevée, mais également de retarder l'apparition de la fatigue. L'autre avantage de la respiration en deux temps, c'est qu'elle te permet de toujours respirer sur ton côté fort, sur ton côté favori. Et donc, lorsque tu vas respirer, tu vas probablement créer moins de résistance que d'habitude lorsque tu respires sur ton côté faible, mais également, tu vas pouvoir mettre ton bras fort dans les meilleures conditions pour générer un maximum de propulsion. Premier avantage de la respiration en trois temps, c'est les résistances qui vont être moins importantes car tu vas être capable de maintenir ta tête en position neutre plus longtemps et donc tu vas perdre moins de vitesse à cause de la respiration. Ensuite, la fatigue va être mieux répartie entre tes deux bras et tes deux épaules car respirer toujours du même côté fatigue beaucoup plus rapidement ton bras fort qui va rester devant. Respirer en trois temps va également permettre de limiter les déséquilibres entre ton côté faible et ton côté fort. Car si tu nages 10, 20, 40, 50 km par semaine, tu vas accentuer des déséquilibres posturaux et ton ostéopathe ne va pas trop apprécier. Enfin, respirer en trois temps va favoriser ce qu'on appelle l'hypoxie ou l'hypoventilation et donc développer tes capacités physiologiques à retarder l'apparition de l'acidose musculaire, c'est-à-dire les muscles qui brûlent lorsque tu maintiens un effort intense. Et je t'ai évoqué les avantages et les inconvénients de nager en deux ou en trois temps, mais qu'est-ce qui, pour toi, va te permettre d'être le plus efficace en compétition? D'abord, si tu nages en bassin lors de tes compétitions, il y a une chose importante à retenir, c'est que le milieu est certain, il est normé. C'est-à-dire que de bassin en bassin, tu vas retrouver à chaque fois des conditions qui sont très similaires. Et donc en bassin, il n'y a pas réellement de débat car tu dois absolument privilégier le rythme de respiration avec lequel tu es le plus rapide. Et ça ne dépend que de toi. Le meilleur moyen, c'est de comparer tes chronos
dans ta distance préférée en respirant en deux temps ou en respirant en trois temps. Et si tu n'as pas la réponse, alors tu peux le tester. J'ai même d'autres alternatives à te proposer en fin de vidéo. En eau libre, le débat est assez différent car le milieu est incertain, c'est-à-dire que les conditions vont être très différentes d'une compétition à l'autre. Et la meilleure réponse à apporter face à l'incertitude, c'est l'adaptabilité. C'est pourquoi maîtriser la respiration des deux côtés en eau libre est très importante. Qu'il s'agisse d'un problème de soleil qui t'éblouit, d'un problème de vague qui te noie, ou d'un coéquipier ou d'un autre nageur à côté qui te perturbe, ou encore d'un problème de prise de repère, et par exemple si tu nages dans un canal le long du mur, il est très important de pouvoir respirer aussi bien d'un côté que de l'autre. Et attention, savoir respirer des deux côtés ne veut pas forcément dire qu'il faut respirer en trois temps ou en cinq temps. Par exemple, en eau libre, si tu réalises un trajet nord-sud, il est possible que tu sois amené à respirer à l'aller toujours du même côté et au retour de l'autre côté pour éviter d'être ébloui par le soleil, surtout si tu pars le matin. Maintenant, j'aimerais te proposer des alternatives au rythme très classique de respiration en deux temps, en trois temps ou en quatre temps. Ce sont des rythmes hybrides qui vont peut-être te permettre d'être plus à l'aise ou plus performant. Personnellement, mon rythme préféré, c'est 4 temps, 2 temps, 4 temps, 2 temps, particulièrement sur 100 mètres, parce qu'il offre un bon compromis entre oxygénation et puis performance, en permettant d'avoir suffisamment de temps entre deux respirations pour pouvoir poser sa nage. Et sur de plus longues distances, tu peux alterner avec un rythme en 2 temps, 2 temps, 3 temps, pour te permettre d'une part de suffisamment t'oxygéner, parce que sur des longues distances c'est très important de maîtriser un bon apport d'oxygène, mais également de alterner entre le côté faible et le côté fort suffisamment régulièrement pour retarder l'arrivée de la fatigue prématurée d'un côté par rapport à l'autre. Et toujours en eau libre, si tu rencontres un problème lié à ton environnement qui t'empêche de respirer d'un côté par rapport à l'autre, tu peux par exemple trouver un rythme en 2-2-4 qui va te permettre de ventiler toujours très correctement et pouvoir placer ta nage et limiter les résistances. Donc un bon compromis entre oxygénation et résistance. Donc on a vu avec le bassin, l'eau libre et ces rythmes hybrides qu'en compétition, ton choix doit se porter absolument sur le rythme de nage qui te permet d'être le plus performant possible. Mais qu'en est-il des entraînements et comment décider du rythme de respiration à avoir au quotidien? Parce que finalement, c'est là où tu passes le plus de temps à nager. Alors à l'entraînement, en règle générale, à part nos amis sprinteurs qui sont un peu particuliers, ton entraînement, il va comporter en termes de volume grande majorité de longueur en souple, de longueur en éducatif pour travailler ta technique, et puis de longueur en aérobie, c'est-à-dire pour travailler ton endurance. Et dans ces trois cas précis qui constituent la majorité de ton volume d'entraînement, il est vraiment préférable pour toi d'alterner les deux côtés de respiration pour limiter au maximum les déséquilibres posturaux que cela pourrait engendrer. Mais lorsqu'il faut mettre de l'intensité, c'est-à-dire lorsque tu vas travailler au seuil, donc c'est-à-dire faire plutôt des longueurs sur de la résistance, ou bien lorsque tu vas faire de la vitesse ou de la survitesse avec du matériel, ça constitue une partie beaucoup plus petite de ton volume d'entraînement. Dans ces cas-là, il vaut mieux se mettre dans un mode de respiration qui soit le plus proche possible des conditions de compétition. Allez, je te partage maintenant un cas concret à l'entraînement pour une préparation sur de longues distances. Et si tu prépares une épreuve d'eau libre et que tu préfères respirer en deux temps, as-tu déjà essayé de limiter les déséquilibres posturaux en respirant d'un côté puis de l'autre dans la même série, toujours en maintenant ce rythme de deux temps? Par exemple, en réalisant un 6 fois 100 mètres, en respirant 100 mètres à gauche puis 100 mètres uniquement à droite. Ça va te permettre de développer ton côté faible
Alors peut-être que tu vas même nager moins vite en respirant d'un côté par rapport à l'autre, mais ça va te permettre surtout de développer ton adaptabilité en vue de la prochaine épreuve d'eau libre. Mieux, tu vas pouvoir développer ce côté faible, pas juste en éducatif, mais dans des conditions qui sont déjà beaucoup plus proches de la compétition. Tout à l'heure, j'évoquais les zones aérobie, seuil, résistance, vitesse, survitesse, peut-être que ça ne te parle pas beaucoup. Et on t'a préparé justement pour ça dans le kit d'entraînement 2.0 un tableau de zone plus 3 séances type qui vont te permettre de te guider dans ta préparation de tes entraînements et de te faire évoluer sur un plan physiologique. Donc si tu prépares une compétition en bassin ou en eau libre pour un triathlon, un swimrun, tu peux cliquer juste en dessous pour recevoir ce kit d'entraînement 2.0 offert.